Et salut à tous les amis, je suis Goltor Barbefer, le capitaine Shepard, le commandant Shepard, à chaque fois que je fais la connerie. Et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos belles aventures, de nos magnifiques aventures sur Mass Effect 2, un jeu de l'amour, un jeu de la vie. Et il faut que je vous dise un truc, j'ai encore changé d'avis. Là vous allez dire mais putain Goltor, t'es une putain de girouette. C'est vrai, j'ai encore changé d'avis par rapport à l'exploration des planètes, toutes les sondes et tout ce qui s'ensuit. J'ai tout fait hier soir en fait, on peut regarder hein, si je fais échappe, voilà, on voit Palladium, on est quasiment à 400 000, pareil en Iridium, en Platine on est ultra haut, l'élément 0 70 000. Alors pourquoi j'ai fait ça en fait je vais vous dire franchement, je me suis dit bon, je vais faire un petit peu et on va voir combien de temps ça va prendre. Je voulais juste voir combien de temps ça prendrait de faire tout ça. Et ça m'a pris 3 heures, je vous jure que ça m'a pris 3 putains d'heures de faire rien que ça. Et je traînais pas, hein, je vous jure que je traînais pas. Et donc... je me suis dit, non, 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 clairement pas, je peux pas foutre 3 heures de sondage de planètes comme ça à chaque fois par petits bouts dans les vidéos, sinon on va jamais avancer. Déjà que Mass Effect c'est extrêmement long, comme je dis celui-là on va le faire à 100%. Donc je vous épargne ça, j'ai tout exploré, on a récupéré pas mal de ressources, mais à part ça, il n'y a rien de nouveau. Il y a eu cependant une petite surprise. En fait en scannant une planète, une seule, hein, il y a une seule planète qui m'a fait ça, j'ai une quête qui s'est lancée. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, je ne l'ai pas faite évidemment, mais la quête est ici, sur Nate, explorer l'épave. Donc, j'étais en train de scanner la planète et d'un coup, hop, anomalie détectée. Et les scans, voilà, en surface, signal l'épave d'un transporteur marchand. Configuration inconnue. Dommages matériels catastrophiques. Les scans détectent du mouvement, mais aucun signe organique. Donc, on va aller faire cette petite quête-là. Et au moins, maintenant, à partir de maintenant, on va pouvoir se concentrer sur l'histoire avec un grand H de Mass Effect et pas être parasité par toutes ces petites conneries de planètes à explorer. Je dis pas qu'on n'en fera pas de temps en temps par-ci par-là, mais dès qu'on commencera à débloquer des nébuleuses entières, je ferai ça hors vidéo parce que c'est quand même, on va pas se mentir, bien chiant. Même moi, j'étais au bout de ma vie, hein. Je vous jure qu'hier soir, j'en pouvais plus du tout. Mais au moins c'est fait, il faut le faire comme je dis parce que c'est du 100% donc voilà. Ah c'est vrai que notre cher Zaeed est loyal. On a fait sa quête dans l'épisode précédent, donc il est très content, c'est très bien. Navire marchand en mode épave, qui c'est qu'on pourrait prendre? Qui c'est qu'on pourrait prendre pour un navire marchand en mode épave avec peut-être des signes d'activité organique mais rien d'humain? On va prendre un scientifique, donc on va prendre déjà, je pense, Mordin, qui pourrait nous renseigner sur éventuellement les formes de vie qu'il y a à l'intérieur. Et on va prendre Jack, histoire de la sortir un petit peu, même si bon franchement je voudrais la sortir par le sas. Là on va la sortir avec le Mako et tout ce qui s'ensuit. Parce que bon, le tempête, pardon. Parce qu'on va être quand même un petit peu gentil. Donc ça ne bouge pas, il me faut un point de compétence supplémentaire. Mordin, alors toi Mordin, il faut que tu apprennes beaucoup de choses. Renforce les talents martiaux de Mordin, sa santé, ses boucliers, ses dégâts. En fait à chaque fois je prends, vous avez remarqué, à chaque fois sur chaque personnage je prends son aptitude de base, entre guillemets, son talent spécial, que ce soit le côté militaire pour notre cher Garrus ou Jacob ou tout ça, lui voilà scientifique, parce que ça booste tellement tout, regardez les PV, les boucliers, les armes, c'est beaucoup trop important. Ensuite on se focalisera sur les petits pouvoirs qu'il y a à droite à gauche. Donc achetons ça, qu'est-ce que tu as comme spécialisation? Alors, génie galarien, les avancées technologiques de Mordin augmentent la puissance de ses boucliers, 25% de santé, 18% de dégâts d'armes et 25% de boucliers, c'est pas mal. Sinon là on a Mordin mène des études de balistique, de physique et de traumatologie qui lui permettent d'augmenter les dégâts infligés par ses armes. Donc là on perd un petit peu de bouclier mais on gagne en dégâts d'armes. On va prendre les dégâts d'armes, comme j'ai dit de toute façon on devient vite increvable. Donc voilà. Jack par contre, ma petite Jack, sujet 0 évidemment. Augmente la santé, les dégâts infligés, réduit les utilisations de ses pouvoirs, indispensable, on va tout prendre. Hop. Et donc là on va choisir entre adepte primaire pour repousser les limites de ses pouvoirs biotiques, réduisant considérablement le délai d'utilisation de ses pouvoirs. Moins 25%, on risque de prendre ça. Et si on a porte-étendard, on gagne un petit peu de dégâts, mais on perd ça. Non, 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 non. Biotique, elle, c'est une pure biotique. Donc tu restes avec ça. En termes d'équipement, Jack, tu peux utiliser que le fusil à pompe et le pistolet. Bon, phalanx et tout ça, ça me va très bien. Et Mordin, un pistolet mitrailleur. Petite tonque, mon petit Mordin, on se fait plaisir, on prend un petit PM. Bon, allons voir donc ce que c'est que cette quête qui était vraiment tombée en mode à l'arrache. Je pense que c'est pas une quête secrète, mais une petite quête cachée, parce qu'il faut vraiment scanner cette planète pour tomber sur cette quête-là. Donc, ça m'intrigue, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Explorer l'épave, découvrir ce qui est arrivé à l'épave du transporteur sur Nate. Tempête de sable en approche. Ah! Bon, déjà il y a du platine raffiné. Bon, en termes de ressources, hein, comme j'ai dit, maintenant on est plus que gavé, hein, ça c'est clair qu'on est très bien. Mais évidemment on continue à récupérer tout ce qu'il y a, hein, parce que c'est très important. On peut monter? Ah oui, on peut monter. Y'a rien de caché là? Je pense pas qu'on ait, quelque chose à faire ici, hein, mais j'y vais quand même, histoire d'eux, parce que ça me... Non, on avait clairement rien à foutre ici. Donc ça s'est craché par là-bas. Et par là. On a des pièces de méca endommagées. Je garde mon fusil, hein, parce que je sais pas si on va tomber sur des saloperies ou pas pour l'instant. Des pièces de méca endommagées. Ok, on va recycler pas mal de trucs. On va faire un petit peu les charognards. En même temps, il faut bien que ça profite à quelqu'un, de toute façon, j'ai envie de dire. On ne peut pas aller par là? On ne peut pas. Bonbon. Et par là, on a rien de plus. C'est étonnamment vide quand même, hein? Bon, on va ranger les armes. Bah après, il avait dit qu'il y avait des signes de vie, donc... Enfin... Il faut que je baisse la sensibilité de la souris. J'ai oublié, hein, désolé, mais c'est vrai que... Ce jeu est un peu bizarre niveau sensibilité. Rapport de statut. Ah, peut-être... Oh là! Beaucoup d'informations. Statut de la salle des machines compromis. Dégâts catastrophiques aux réacteurs primaires et secondaires. Niveau critique d'éléments zéro. Multiples fuites de carburant dans la salle des machines. D'accord. Navigation critique, contrôle manuel impossible. Contrôle IV verrouillé, autorisation CRAT. Ça... Capteur compromis aussi, alerte de proximité planétaire, survie compromis, putain. Bouclier normal, aucune brèche, d'accord. Contagion potentielle, communication, dégâts critiques, balise de dégâts activée, enfin de détresse activée. Ok, donc tout est parti en sucette. Et ils se sont tout simplement crashés. Il n'y avait que les boucliers qui étaient fonctionnels. On peut pas... Enfin, je vais aller voir là-bas quand même. Est-ce qu'on peut monter? C'est ça en fait qui me... D'habitude, on peut pas, vous savez bien, hein, il y a des limites partout, il y a des murs un peu invisibles qui sont en mode non, tu passes pas. Là on peut donc... Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah non. Putain, j'ai dit on peut, j'étais en train de me bugger. Oh, en fait, on peut pas monter. Il ne faut pas monter. Ok. Ordre d'évacuation. Putain, il y a eu un sacré carnage quand même. Attention, attention. Collision imminente. Système endommagé. Dirigez-vous vers les modules d'évacuation. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Ok. Bon, il y a des pièces un peu partout. On va tout lire, hein, de toute façon, pour se renseigner un peu. Armure miroir X. Quoi? 14 caisses d'armure miroir pour mecha. Station de Jaraé, destination, d'accord. Donc il livrait des armures, des mechas. Division expérimentale, 180 mechas, 1 mecha Ymir. Oh là 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 là. Il y a des mechas donc. Ok, vous savez quoi, on va sortir nos armes. On va sortir nos armes, il doit y avoir des mechas qui vont sûrement protéger la zone et limite péter un peu un câble et nous bastonner. Donc il livrait la tonne de mechas et des... comment ça s'appelle ? Les conteneurs ont réactivé leur système d'autodestruction. Vous feriez bien d'aller vérifier. Ah d'accord. Donc les mechas se sont On va désactiver le transmetteur déjà, oui. Ennemi détecté à proximité de votre position. Extraction immédiate recommandée. Quoi? Ah oui. Mais qu'est-ce que c'est? C'était un piège? Ah non, mais c'est des mechas juste en fait. On s'est fait repérer. Qu'est-ce que vous avez les mechas? Ok, donc il y a des petits mechas qui nous sautent dessus. Donc des mechas ont lancé la procédure d'autodestruction. J'imagine de manière, voilà, un petit peu imprévue. Et donc quoi, cette planète est blindée de mechas maintenant et on va devoir se battre contre tous les robots qui sortent un peu partout? Oui, c'est ça. D'accord. Ah, c'est... Putain, on se croirait dans Star Wars. Petit robot qui fait ça dessus. Putain, mais il y en a plein en fait qui arrivent. Oh, ça me fait quelque chose. Les dégâts qu'elle fait quoi. Jack pour ça, comme j'ai dit, hein, autant je la déteste, autant faut quand même avouer que niveau puissance c'est hallucinant. Il est clairement pas là pour rigoler. Pardon monsieur, je savais pas que vous étiez là. Ouais, non mais j'ai bien compris. Salut les Maccabées. Salut les Maccabées. Rien ne peut m'arrêter. Mais il y a rien d'autre à faire que ça, enfin, c'est un peu dommage. Ah non, en fait, il y en a à l'infini qui arrive. Je suis peut-être sûr hein, quand même, hein, mais... On va en tuer deux ou trois de plus là, mais... De ce que j'ai compris, c'est ça en fait. Il y a l'infini de mobs qui nous arrivent sur la gueule. Ouais, c'est ça en fait, il y en a à l'infini. Retournons à la navette alors hein. Il est temps de partir. Retournons à la navette. Putain, déçu. Franchement déçu. Aucun survivant n'a retrouvé pardon, dans l'épave du MSV Corsica. Balise de détresse désactivée. D'accord. Putain mais c'était nul. Mais c'était nul. Putain. Je sais pas, moi je m'attendais à un truc sympa. Non, tu vas dans un endroit, il y a plein de robots qui popent à l'infini, il faut se casser. Bon, au moins que j'ai raté peut-être, j'ai raté quoi que ce soit, mais apparemment, non, c'est juste ça. Tu vas là-bas, tu butes des robots à l'infini, puis tu te casses. Bon. Bien, bien, bien. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Est-ce que j'ai un message? Oula. Oula, mais... Commandant, vous avez reçu un message. Ah, merci Chambers. Dites-moi qu'il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Oui, apparemment c'est ça. Information reçue, coordonnées, station Jaraé, système Strabo, nébuleuse de l'Aigle. L'exploration des données confirme le dernier emplacement connu du transporteur marchand MSV Corsica, la station Jaraé dans système Strabo. Il est possible que la station Jaraé permette de déduire la nature de l'anomalie qui a provoqué le dysfonctionnement massif des mechas à bord du Corsica. Ok. Qu'est-ce qu'on en a à branler? Ah si, explorer la station abandonnée, système Strabo, nébuleuse de l'Aigle. Ah, quand même, heureusement, je me dis quand même, si c'est juste une petite quête comme ça de merde, ça me faisait chier là. Donc, on va devoir explorer ça. Allons-y. Attends, mais... Ah ah! Il y a un truc caché là-dedans. Ok, yes, une petite anomalie, d'accord. Je trouvais bizarre qu'on soit à 50% et que j'ai pas récupéré quoi que ce soit d'autre. Alors, station de Jaraé. Coordonnées, blabla. L'exploration des données confirme le dernier emplacement. Donc on doit aller là-dedans pour voir ce qui s'est passé. Ah bon, je suis un petit peu rassuré là, parce que quand même. Je croyais que c'était nul. Donc on va découvrir comment ça se fait que les robots, les drones, ont décidé de lancer la procédure d'autodestruction. Alors là, par contre, on va parler robots. Donc bon, déjà, Mordin, tu viens, ça c'est clair et net. Et je pense qu'on va faire la... Non, non, pas Jack. Qui c'est qu'on prend? Allez, Jack, allez, allez, viens. Attends, on peut modifier ton apparence, Jack? Ah oui. Bon, t'es dégueulasse, mais tu sais quoi? Je préfère te voir comme ça... que te voir avec des bretelles en guise de soutien-gorge, hein, voilà. Donc on va garder ça, hein. Désolé Jack, mais voilà. Oui, oui, bon, bah, de toute façon, go. Ah, oh là là. C'est Alien. Échappez-vous de la station Jaraé. Oh, l'intelligence artificielle qui a dû péter un câble. La porte est verrouillée par l'intelligence artificielle. Sur mon conseil, donc Docteur Galwyn, pardon. Sur mon conseil, tous les systèmes ont été désactivés sauf les systèmes de survie extrêmes. Cela empêchera peut-être l'IV d'obtenir les ressources dont elle a besoin pour nous tuer. Cette solution n'est que temporaire, on ne s'en sortira pas seul. Docteur Talisin. Donc, l'intelligence artificielle a pété un câble et a buté tout le monde. A eu un dysfonctionnement. Dû à quoi? Ça, c'est une excellente question. Putain, mais c'est Alien, c'est... C'est abusé, on dirait... Même si c'est pas forcément Alien, mais on dirait Dead Space, quoi. Cette ambiance là, ça c'est génial, ça. J'adore ces petits détails comme ça là. Mass Effect, de toute façon. Allez, rétablissons la puissance. Ouais. Les intrus sont priés de se diriger vers la soute pour retrait immédiat de la station. Ouais, c'est ça, ouais. Prends-nous pour des cons. On sait que tu es parti en sucette. Et Docteur Galwyn, je pense que l'IV est devenu complètement obsédé par les risques d'infection. Sa folie meurtrière actuelle est très certainement due à un sentiment de peur exacerbé par le fait qu'on puisse tenter de la désactiver. Elle se comporte ainsi parce qu'elle est persuadée que notre équipement a été infecté par une sorte de virus. Si nous continuons à essayer de la désactiver, elle n'aura de cesse que d'essayer à son tour de nous éliminer. La meilleure chose à faire est donc peut-être de ne rien faire pour la combattre, mais de tenter de la convaincre que notre présence n'est pas une menace. D'accord. On visite un petit peu avant de... Ouh, ça a l'air gigantesque cette histoire. Ouais, 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 ouais. Tant mieux, mais... Bon, par contre, s'il y a... Zone scientifique sous tension. zone de test verrouillée conformément au protocole M29-2. Prototype d'armure miroir repositionné. Ah d'accord, faut faire un jeu de... Oh là là. Non, non. Prototype d'armure miroir repositionné. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça? Il faut que je l'amène jusque là, d'accord. Prototype d'armure miroir repositionné. C'est bon? Ou il faut l'envoyer où en fait? Ouais, là-bas, non? Non? Je comprends pas trop où il faut rediriger l'énergie. C'est ça, on est d'accord? On dirait le truc de... Comment ça s'appelle? Dead Space, quand tu rentrais dedans et tu t'améliorais ton armure et tout le bordel. Prototype d'armure miroir repositionné. On sait clairement pas ça. Prototype d'armure miroir repositionné. Ou alors? Prototype d'armure miroir repositionné. Faut l'envoyer par là-bas. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Attention, attention. Veuillez quitter cette station immédiatement. Oui, bon, d'accord, on va quitter cette station, mais... Faire des petits tours avant quand même, on sait jamais ce qu'on peut trouver d'intéressant là-dedans. Donc salle des machines. Là-bas on a un autre truc. Évacuation du plasma en cours. Forte probabilité de blessure ou de mort en cas de tentative d'accès aux commandes de maintenance. Oh mais il y a trop, c'est trop grand. Killings, j'ai découvert que nos problèmes d'IV avaient commencé juste après que le Corsica nous a amarrés. Talcide est en train de voir s'il est possible de réparer l'IV. En attendant, je vais vous demander d'étudier les registres et de répertorier tout ce qui se trouvait sur le vaisseau. Oh non, je perds juste un peu de bouclier en fait, c'est... Détruis le bouclier. Échec des tentatives de décontamination de la station. Puissance supplémentaire nécessaire. Puissance supplémentaire. Donc là on fait que réactiver tous les systèmes, on est d'accord? Ouais, on réactive tous les systèmes. Je sais pas si on doit garder notre arme en fait. J'ai pas l'impression qu'on tombe sur des ennemis. Non, faut juste réactiver l'énergie partout. Faut juste réactiver l'énergie partout. Bon. Quartier d'équipage. Vous êtes dans une zone sécurisée. Veuillez quitter cette station immédiatement. Non mais j'ai compris que t'appréciais pas que je sois là, mais c'est pas comme si j'en avais rien à foutre de ton choix, mais... Alors attention à tous les agents des quais, nous attendons la livraison d'une cargaison de pièces de méca de l'usine Anne Kedar de Capec, Askins, Nébuleuse du Titan. Assurez-vous que l'IV sache qu'elle doit accepter la demande d'amarrage du MSV Corsica. Donc le MSV Corsica a bien eu à voir avec ça. Alors soit... Les mechas étaient défectueux et ont balancé un virus ici. Soit c'est l'inverse. Zone d'habitation sous tension. Deux portes déverrouillées. Ah, faut que je... D'accord, faut que je fasse le jeu du... Les portes sont verrouillées. Ok. Deux portes déverrouillées. Trois portes déverrouillées. Une porte déverrouillée. Une porte déverrouillée. Trois portes déverrouillées, deux portes déverrouillées, trois portes déverrouillées, une porte déverrouillée, trois portes déverrouillées. Oh, c'est chiant. Ah, bah, je peux déjà faire comme ça, déjà au moins. Deux portes déverrouillées, cinq portes déverrouillées. Bon, j'ai pas fait exprès, hein, je vais pas vous mentir. J'ai clairement pas fait exprès. Mais c'est fait. À force de mâcher comme un connard. Ah, mais tout le monde est mort de chez mort. Y a pas tortillé, de toute façon, tout le monde est mort. Bon. Y'a pas un seul survivant, j'espère qu'on va en trouver au moins un. non. Non, non, non. Zone centrale sous tension. Accès à l'ordinateur central autorisé. Vaisseau amarré détecté. Téléchargement du programme central dans le système informatique du vaisseau. Hein? Quoi? Essayez de se télécharger. Vous n'êtes pas autorisé à pénétrer dans cette zone. Vous êtes dans une zone sécurisée. Veuillez quitter cette station immédiatement. Nous sommes au regret de vous annoncer que les tentatives de défense de la station ont échoué. Annulation des protocoles de sécurité. Putain, mais c'est un ascenseur émotionnel qu'on a depuis le début. Je me dis, ah, ça va être trop bien. Puis non, bah, non, oui, non, oui, non, bon, bah, voilà. Désactiver les protocoles de sécurité de la station. On a réussi à s'enfuir, très bien. Expérience acquise. On a gagné un petit peu d'argent, pas grand chose. Merde. Voilà. Bon, à moins qu'on ait encore une autre mission qui a celle-ci. Je ne sais pas, j'espère. Donc, c'est l'intelligence artificielle de cet endroit-là qui a pété un câble et qui a contaminé les robots qu'il y avait dans le Corsica? Non, mais je sais pas. Je sais pas. J'aurais tendance à dire ça, mais... Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal. Ouais, mais je me doute que j'ai reçu un message, parce que merde, là, quand même. Alors, information, oui, blablabla. Les données recueillies lors de la quarantaine de l'IV de la station de Jaraé indiquent que la source possible de l'infection pourrait être l'usine. Ah, voilà. Il faut qu'on aille dans l'usine, donc. Allons voir cette usine. Il faut qu'on aille au relais cosmodésique là. Il a failli y avoir plus d'essence. Je crois que c'est pas très grave hein, qu'on ait plus d'essence parce qu'après tu peux quand même avancer tout doucement. Si je dis pas de conneries. Hein. Au moins on a fait le plein. Bon alors. Il faut qu'on aille... Ah ouais, donc on a carrément une nouvelle zone. Nébuleuse du Titan. Désactiver la chaîne de production infectée. Parfait, putain. Bon, je commence à changer un petit peu d'avis sur cette quête. Petite quête à la con qui nous emmène dans un autre endroit. Qui nous emmène carrément dans un nouveau système. Bon, un nouveau système où il n'y a qu'une seule planète. Mais un nouveau système, tout de même. Hein. On va la scanner, hein. Là de soi. On va aller balancer ça ici, mais on va scanner la planète en entière. Non, 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 scanner, enclencher le scanner. Oh, putain. Donc voilà, ça je m'étais tapé ça pendant 3 heures hier soir. Hein. Putain, j'ai tellement marre. Ce qui est marrant, c'est qu'il y avait mon père qui était chez moi, on discutait et tout, et il me dit mais qu'est-ce que tu fous? Je dis bah je farm là, c'est trop chiant ce truc. 3 heures après, il dit oh, putain, il a l'air intéressant ton jeu. Je dis ça va, c'est bon, hein. Commence pas. Hein. Il se foutait de ma gueule. Non, non, mais je vois que voilà, hein, c'est une des plus grandes licences du jeu vidéo, tout ça, tout ça. Je comprends pourquoi beaucoup de gens l'aiment. Ils me trollaient. Mais c'est vrai que ça donne pas beaucoup envie hein, quand tu vois ça, où tu te tapes que du sondage hein, non-stop. Ouais. Ah, ok. Bon, après, c'est un abondant, putain, beaucoup d'éléments zéro. Bon, vous avez vu, hein, quasiment 400 000 de palladium. C'est dingo, 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 dingo. Voilà, donc à part de rares exceptions comme ça, où on tombe sur une planète à l'arrache, où il faut voilà, quand même un petit peu explorer, histoire de ne pas rester sans rien, on ne va pas se taper des sessions entières de sondage de planètes, parce que faut pas... c'est trop chiant, quoi, c'est trop chiant, c'est tout. Pas se mentir, c'est trop chiant. Par contre, il y en a un petit peu là d'éléments zéro, je le récupère. Hein. Sonde larguée. Sonde larguée. Après, j'ai pillé toutes les planètes. Hein. Comme d'habitude, je les ai mis jusqu'à ce qu'ils soient marqués épuisés. Qu'il n'y ait vraiment plus rien de chez plus rien. Rien de rien. On va arriver à 400 000. Ça continue. Du côté du palladium. Et on va y arriver au 400 000 du côté du palladium. 390 000, plus que 10 000, on va dire ça comme ça. Sonde larguée. on a en modéré. Oui, non, non. Ces petits pics, hein, c'est pas des... Ah! Ah ah! Sonde déployée. Lancement d'une sonde. S'il y a des succès, comme quoi il faut ramasser genre 400 000 ou 500 000 d'une ressource, je pense qu'on va y être. Hein. C'est n'importe quoi. Ouh là là! Ils ont tout plein ça. Sonde larguée. Ah, épuisé. Voilà. Allez, on va atterrir. Donc voyons qu'est-ce qui s'est passé. Mais d'où vient cette IV folle qui a contaminé donc le vaisseau et les robots? Parce que c'est l'usine, du coup. C'est de là que ça devient la malfonction. Je sais pas. On va voir. On continue d'enquêter. On continue à prendre Mordin et Jack, même si bon. Ils sont pas, voilà, ils sont pas faramineux, il n'y a pas de texte et tout, mais on sait jamais, peut-être après. Peut-être qu'il y aura certains choix. Fermer l'usine, pénétrer dans l'usine et arrêter la chaîne de production infectée. Donc c'est bien ça, il y a une infection, enfin une anomalie qui a été mise dans l'IV, qui a contaminé bah, donc l'IV qu'ils avaient, plus derrière les robots. Donc ça vient de là. Ennemi en vue. Comment ça ennemi en vue? Ah oui, le petit robot. C'est Nono le petit robot. Ah, vous êtes fait démonter votre race vous. Vous avez pas de sort de pouvoir non. Ah ok. Oh non, une Asari morte. Non. Ça aurait pu être n'importe quel autre, t'en foutais. Oui. Le bâtard. Alors, notre nouveau fournisseur de circuits imprimés vient de diffuser un rappel pour les processeurs AMX blablabla. Il semblerait provoquer un dysfonctionnement systématique des composants. Ah, nous cherchons d'ores et déjà un nouveau fournisseur dans l'attente d'une nouvelle utilisation, division expérimentale, ok, sans réponse. Je souhaitais simplement vous informer que nous avons perdu le contact avec le MSV Corsica. Après avoir fait part de vos inquiétudes, j'ai consulté les logs et il apparaît que parmi les pièces et mécas qu'ils ont chargées, se trouvaient effectivement des processeurs OPU. Nous savons que le Corsica devait rejoindre une station, Jaraé, mais nous n'avons... Ah, d'accord. J'espère que rien ne est arrivé, nous pouvons... rien faire de plus. Donc c'est pas ça en fait. À la base donc c'est cette chaîne de production qui crée des mechas. Ils ont été servis, un fournisseur leur a donné des processeurs défectueux. Les mechas ont pété un câble. Le Corsica s'est amarré à la station. Les drones ont dû tout défoncer ou contaminer l'intelligence artificielle. Et après ben, le vaisseau s'est écrasé. Situation d'urgence. On m'a récemment rapporté que plusieurs cas de mechas qui auraient quitté les chaînes de production et s'en seraient prises aux ouvriers. Certains d'entre eux semblent même chercher à s'auto-détruire sans raison apparente. Cette infection virale affecte même les unités sur lesquelles les processeurs OPU défectueux n'avaient pas été installés. Nous craignions une catastrophe à l'échelle de l'usine. Nous essayons tout de même de limiter les dégâts, mais nous n'allons bientôt plus pouvoir garder le contrôle de la situation. Lorsque le docteur Rochelle apprendra ce qu'il se passe ici, je peux vous dire que des têtes vont tomber. Et il est hors de question que la mienne en fasse partie. Chef de sécurité Saunders. Et enfin, docteur Rochelle a ordonné un verrouillage complet des lieux. Vos ordres sont donc d'isoler le couloir d'accès de la ligne de production du reste de l'usine. Je suis conscient que cela aura pour effet de nous enfermer définitivement avec moi et quiconque encore à l'intérieur, au milieu de tous ces mechas détraqués, mais les ordres sont les ordres. Cela aura été un honneur de me battre à vos côtés. Aura été un honneur, j'ai rajouté un T là, c'est pas grave. D'accord, donc ils se sont enfermés, c'est en mode bon on va crever, mais allons-y, pourquoi pas, bon. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est ça? Non. Bon, je prends mon temps, hein. Je suis un petit peu en mode vieux de la vieille là, mais... Donc les robots sont devenus fous ici, et à partir de là, tout a dégénéré. Bon, on devrait trouver quand même des survivants, s'ils se sont fait armer. J'espère. Je me demande s'il reste quelqu'un. Ben, c'est exactement ce que j'étais en train de me poser comme question. J'ai localisé Lazari, docteur Talarasan, dans le couloir d'accès à la chaîne de production. Nous avons installé une barricade et bloqué l'accès au reste du couloir. D'accord, donc il y a des gens en vie, je pense. J'ai mis le docteur Talarasan en sécurité. Il me dirige actuellement vers la salle de contrôle de la chaîne de production. Je vous préviens dès que je suis sur place. Je me trouve dans l'entrepôt. On dirait qu'il n'y a personne ici. J'ai localisé la salle de contrôle juste au-dessus de la réserve. Cela me prendra sûrement quelques minutes, mais je devrais facilement pouvoir désactiver la ligne de production. Écoute, apparemment, tu n'as pas pu désactiver quoi que ce soit parce que tu es décédé. Je vois ton nom, hein, mecha. Bon, l'élément 0, ça fait plaisir en tout cas. Bon. Bon, finissez-le, hein, je compte sur vous. Hein? Ah. Putain, il y a tellement de robots. Non mais arrête. Qu'est-ce qui se passe? Je suis bloqué. J'étais bloqué, j'étais bugué, putain. Petit labyrinthe de caisse. Voilà, voilà, si vous croyez que vous allez tout emmerder comme ça. Ta gueule! Aïe! C'est vrai qu'il s'auto-détruit, c'est con. Non, ça c'était juste pour récupérer donc les petites ressources. Ah merde, je croyais que... C'est bizarre, on dirait qu'il danse la lambada là, qui va se faire péter, et en fait pas du tout. Ouais, mais vous êtes tellement nombreux. En vrai, si toute une chaîne de production a été défoncée, forcément qu'ils sont nombreux, j'ai envie de dire. Tellement puissant ce sort. Qu'est-ce que... Pourquoi vous faites du... Oh, ah, oh, ah, mais toi t'es là en fait. Je suis en train de me demander ce qui se passe. Bisous Goltor. Putain. Ils sont tellement abusés, putain, c'est quoi tout ce peuple? Mais c'est pas possible. On s'est fait repérer. Bah on s'est fait plus que repérer mon gars. Ok. Ah, désolé, hein, mais je suis un peu concentré là parce que vous le voyez de toute façon, hein, tout ce peuple. En termes d'XP, je pense que ça va donner cette mission. Hein. j'espère. Après c'est pas comme dans le tout premier Mass Effect où quand tu butais des monstres tu récupérais de l'XP à chaque fois là. Tu pouvais farmer des monstres dans certains endroits pour vraiment monter ton XP comme un foufou. Là c'est les missions qui rapportent l'XP. Bon, on va pouvoir arrêter toute cette merde. J'imagine que oui. Ok. C'est l'heure du piratage. Tout ça à cause de processeurs à la con. Est-ce qu'on va aller voir le fournisseur de processeurs du coup? Quoi? Non, tout va péter? Mais lol. On a mis 5 secondes pour partir. Putain, on est rapide. N'importe quoi. Vous avez fermé la chaîne de production de la division expérimentale. Vous avez désactivé tous les mechas infectés. Pas beaucoup d'XP, peu d'argent, pas grand chose, hein, pas grand chose. Bon, est-ce que maintenant on va être amené à aller donc chercher le mec qui avait fait ses composants défectueux? La mission sans fin, tu sais. La mission qui est infinie. Ah non. Mais non. Que puis-je faire pour vous, commandant? Non, rien. Oui, commandant. Mais y a rien d'autre? Oh là là, la déception. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Au moins on aura fait ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi pas? Bah c'était vraiment une quête bof, hein. Sans déconner, c'était vraiment pas ouf, hein. Bon alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on fait... Fakir MSV Rosalie, est-ce qu'on fait recruter l'As des voleurs? Est-ce qu'on va à la Citadelle pour acheter des trucs? On va aller à la Citadelle pour aller faire quelques coups. On va dépenser notre pognon. Parce que déjà il reste pas. Il reste un petit quart d'heure tranquille, 20 minutes pour la vidéo. Donc on va aller faire quelques petites emplettes. On va aller voir la Citadelle. Est-ce qu'elle a changé depuis le temps qu'on n'a pas été là-bas? Attribuée à nos précurseurs, les protéins, cette immense station spatiale sert de capitale politique aux races conciliennes. La pesanteur artificielle simulée par la rotation est de 1,02 G dans les secteurs et de 0,3 G dans l'anneau du Présidium. Ok, il y a 13,2 millions de gens qui vivent là-bas, veilleurs non compris, 7,11 milliards de tonnes. Eh ben dis donc mon cochon, va falloir perdre du poids. Voilà, on va faire ça tranquillement. On va aller récupérer quelques petits objets par-ci par-là. La bouffe pour notre cuistot, parce qu'il en a besoin, je rappelle. C'est important pour nos soldats, qui mangent bien. Et acheter, voilà, si on n'a pas des armes, des améliorations, quelque chose qui pourra en plus nous débloquer la suite d'améliorations d'équipements via notre station de recherche dans le vaisseau. Là où il y a Mordin. Et je pense que ça va être bien. Ça va être bien. Bouclier, blindage et barrières biotiques protègent vos ennemis contre la plupart de vos pouvoirs. Détruisez ces protections afin de les rendre plus vulnérables. Ouais, ça je sais aussi que c'est quelque chose que je ne fais pas, hein. Je n'utilise pas les pouvoirs en question pour pouvoir péter l'armure ou les boucliers très rapidement. Mais comme vous l'avez vu, on les démonte. Alors par contre, dans la Citadelle, alors là je suis désolé, hein, là c'est direct Garrus qui vient. Et je sais pas, j'hésite entre Zaeed, parce qu'on allait faire quelques séjours dans les tréfonds et tout ça, les trucs un peu dégueulasses. Jacob, tu sais quoi Jacob? Allez, on sort les bras. Non. Voilà, Jacob. Venez avec nous. Garrus, déjà, c'est obligatoire. En même temps, voilà, il a vécu dans la Citadelle, il la connaît comme s'il avait chié. Ça va lui faire du bien de retrouver un petit peu cette petite Citadelle. On arrive directement au petit vaisseau, putain c'est stylé. Commandant Shepard, Veuillez entrer votre mot de passe pour recevoir un cadeau gratuit. Ouais. Bon. Des problèmes pour payer vos impôts ? Essayez les services financiers de Kasumi. Bon, Kasumi, hein, c'est le DLC où on peut récupérer ce personnage. On va juste écouter sa voix. N'attendez plus, nos plus belles femmes vous attendent. Non, non, mais... Vous les aimez minces, intelligentes et typées japonaises ? Ça, c'est moi qui les aime, pas Shepard, mais... Alors. Veuillez me donner votre mot de passe, commandant Shepard. Vous me connaissez, Kasumi. Je ne suis pas là pour jouer. On m'avait dit que vous étiez dur, Shep, mais je n'aurais pas imaginé que ce serait à ce point-là. Kasumi Goto, à votre service. Enfin, de toute évidence, vous le saviez déjà. Il y a une place pour vous sur le Normandie. Faites comme chez vous. Je suis pressé d'y être. Je n'ai encore jamais été impliqué dans une grosse... On la recrute comme ça ? Galactique. D'ailleurs, je vous remercie de m'aider pour le casse. Vivement que je vous vois en tenue de soirée. Hein, quoi ? Comment ça, le casse ? Quel casse ? Vous n'êtes pas au courant ? Et c'est moi que l'on traite de secrète. Je recherche la boîte grise de mon ancien partenaire, un homme du nom de... Par contre, tu gueules ça devant tout le monde ? Mais je veux la récupérer. Si on a le temps. Je vais voir ce que l'on peut faire, mais je ne vous garantis rien. Ok. Cela dit, je suis sûr que vous mourrez d'envie de voir ce que c'est, de faire un casse avec moi. Pas vraiment. Terminons-en déjà avec ça. Vous avez l'air stupide à parler à une publicité. Rendez-vous sur le vaisseau. Ouais, c'est ça, allez, casse-toi. Casse-toi. Bon, elle est très puissante, hein, Kasumi, un peu comme Zaeed. De toute façon, c'est des persos DLC. Elle a une capacité à se fondre... Ah, le canon principal d'un cuirassé de classe Everest accélère à 1,3% de la vitesse de la lumière. Ces impacts ont la force d'une bombe de 38 kilotonnes. Ça fait 3 fois la puissance de la bombe terrienne balancée sur Hiroshima. Ça veut dire que dans l'espace, le plus bel enfant de salaud, c'est Sir Isaac Newton. Deuxième bombe Burnside. Quelle est la première loi de Newton? Chef, tout objet conserve son état de mouvement rectiligne uniforme, chef. Espère pas te faire boucher avec la moitié de la réponse, sac à foutre. C'est un référentiel galiléen, chef. Exact. Et l'espace est vide. J'ose espérer que vous savez ça, tas de punaises. Une fois qu'on lourde ce joujou, il avance jusqu'à ce qu'il touche quelque chose. Ça peut être un vaisseau ou bien la planète derrière ce vaisseau. Ou alors, il continue son petit bonhomme de chemin jusqu'à toucher quelqu'un d'autre dans 10 000 ans. Bref, si vous videz les murs d'un papa cuirassé, je suis sûr que quelqu'un quelque part va pas aimer. Voilà pourquoi on prend toujours le temps d'attendre que l'ordinateur vous donne une putain de solution de tir. Pourquoi, deuxième bombe Chung, on ne tire pas au pifomètre. Ceci est une arme de destruction massive. Pas un colt pour jouer les cow-boys du dimanche. Chef, oui, chef. J'adore ce mec. Ça me fait penser à Sergent Hartman, là. Le Destiny Ascension vient de terminer sa tournée triomphale au cours de laquelle... Ouais, d'accord. Sergent Hartman en mode... ouais. Soldat, combien tu mesures? 1m12 1m12. J'avais vu un tas de merde aussi haut de ma vie. Pourquoi? Malheureusement, les amphibiotiques peuvent servir d'armes. Je suis tenu de... Ah, je peux parler à Garrus. Je me disais que ce serait sympa de revenir ici pour constater les changements. Ah, je me disais aussi que ça te ferait plaisir. Les mêmes ruelles pouilleuses, les mêmes charronnières sans scrupules, les mêmes prisons à géométrie variable. Ah. Assurer la sécurité ici, c'est un boulot ingrat. Et c'est bien pour ça que je suis parti. Oui, bon, bah, j'espère que ça te fait quand même plaisir, hein. Bon, au bout d'un moment. Donc il faut parler aux douanes et il faut parler à qui? Bon, parlons-lui à lui, là. Je l'adore, lui. Ça, les bleubites, c'est une... Ah non, mais on recommence. Les bleubites. Je peux vous aider? Ça plaisante pas niveau sécurité ici. La dernière fois que je suis passé par ici, c'était il y a 2 ans. La sécurité s'est renforcée depuis. Après l'attaque des guettes, les protocoles de sécurité ont été réévalués. Bah, il était temps. Il y a eu quelques changements mineurs apportés pour réduire les risques d'infiltration guette. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Non mais y a pas de souci, hein. J'ai l'impression que les guettes soient du genre à se fondre dans le paysage. C'est dangereux de se fier à ces impressions. La sécurité passe par la vigilance. Mais oui, elle a raison. Reste calme, Garrus. Puis surtout, bon, on peut pas savoir s'il y a des connards, hein, qui viendront pour foutre le bordel ici, donc. Je savais bien qu'il ferait un commentaire sur nos armes. Ah bah oui, hein. Mais je suis Spectre, donc je fais ce que je veux. Ça. Quoi? Vous pensez vraiment que... Bon, d'accord. Pardon pour le désagrément, commandant. Pas de problème. Le scanner donne un résultat erroné. Il semble croire que vous êtes mort. Bah c'est fâcheux ça. On me dit toujours ça, c'est extrêmement chiant. À qui je dois m'adresser à ce sujet? Le commandant de notre station est juste après les scanners. Vous sortez et vous prenez à droite. Il rectifiera votre identité. Ok. Bon, ça aussi, ça va être une bonne chose de remettre notre statut en tant que vivant. Oh putain, Avina! Non, va mourir! Avina, je veux pas te voir. Oh putain, le capitaine! Bailey! Oh putain, mais on l'avait vu dans le 1. Je sais pas si vous vous rappelez de lui. Il était un mec qui cherchait juste à monter un petit peu. Il s'occupait des paperasses et tout. Oui. Je vois déjà le problème, commandant Shepard. D'après ma console, vous êtes mort. Ne changez pas. Dans ma mission en cours, l'anonymat, c'est utile. Ça marche. Vous êtes un héros de toute façon. Soupçonné de trafiquer des armes ou je ne sais quoi. Je vais juste bloquer un peu le système. Officiellement, vous n'existerez toujours pas. Et vous pourrez passer les postes de sécurité sans problème. Ah, merci bien. Maintenant, je vous conseille de faire un tour au Présidium. Le conseil aurait sans doute envie de savoir qu'un de ces spectres portés disparus court toujours. Qu'ils aillent se faire foutre. Ils se sont pas trop foulés avant de me déclarer mort. Je vais pas me fouler à leur prouver le contraire. Comme vous voulez. Mais si vous avez des amis à la tour de la Citadelle, vous pourriez au moins leur donner de vos nouvelles. Ouais, bon d'accord. J'ai entendu dire qu'à une époque, vous étiez copain comme cochon, le conseiller Anderson. Ah oui, Anderson, oui. Enfin bref, il vous faut autre chose? Non, non. Et pourquoi t'es au SSC, toi, au fait? Qu'est-ce qui vous a amené à la Citadelle? J'ai intégré l'Alliance il y a un bout de temps, mais les voyages me tuaient. C'est pas une vie quand on essaie de fonder une famille et qu'on voit ses gosses une fois tous les 6 mois. Ah oui. J'ai rejoint le SSC pour ne plus être ballotté aux 4 coins de la galaxie. Et ça te va? Ça vous plaît de vivre ici? Je trouve ça pas mal, ouais. Complètement différent de la vie sur Terre. C'est surtout la bouffe qui me manque. Impossible de trouver du saumon rouge dans toute la station. Ça vous arrive d'y retourner? Sur Terre? Tous les 2 ans, grosso modo. De moins en moins, enfin. Mais quand j'aurai terminé mon boulot pour le SSC, je connais un coin sympa pour prendre ma retraite dans les... Enfin, c'est pas demain la veille. Ok. Mais attends, j'ai un doute, parce que lui, si, lui on l'avait bien vu, lui, le sergent Bailey. On l'avait bien vu dans le 1. J'ai un doute maintenant, parce qu'il a pas l'air de me reconnaître ou quoi que ce soit. Ah, salle d'interrogatoire. Pourquoi je peux pas y aller? Tu voulais que j'interroge quelqu'un, je vais y arriver. Toi, tu m'adresses pas la parole, hein. Davina, je veux même pas t'entendre. Alors, voyons la map. Oh putain! Café, terminal transmission, entrepôt, transport. Ok, on a pas mal de trucs. En fait, maintenant, ouais, d'accord, la Citadelle c'est devenu tout petit. Hein, on va aller discuter avec tout le monde. Il paraît que vous êtes la meilleure épicerie fine du secteur Zakera. C'est faux, nous sommes la meilleure épicerie fine de toute la Citadelle. D'accord. Bon, tu dois vendre la bouffe. Ouais, voilà, provision haut de gamme. Ingrédients variés pour préparer les dîners diplomatiques à bord des vaisseaux spatiaux. 500 juste. Oh bah putain, je t'en prends 10. Ensuite. Œuvre majeure de l'écrivain Human Drain. Ok, Human Drew, pardon. Karpichin, putain. Ascension est un thriller racontant l'histoire d'individus confrontés à la mystérieuse organisation connue sous le nom de Cerberus. Tintintin. On va acheter un best-seller de l'écrivain humain Drew encore, qui met en scène les conflits militaires et politiques faisant suite à la découverte du relais protéin sur Pluton en 2148 et donnant lieu aux premières explorations galactiques humaines. On prend tout ça, ça coûte rien, donc on prend. De toute façon, on fait des petites emplettes, on se fait plaisir, on claque notre pognon. Quoi, la publicité a encore à écouter? Non. Shepard, voulez-vous continuer votre éducation? Non. Savoir se servir d'une arme, c'est bien. Mais avez-vous les compétences nécessaires pour implémenter et administrer les infrastructures réseau high-tech modernes? Ouais, ouais, donc... Sans déconner, tu sais. Je suis quand même un putain de commandant qui sait manier, qui sait utiliser le piratage, qui sait aussi... Pourquoi on peut pas aller plus loin? Ah, on doit descendre peut-être. Qui est aussi intelligent que puissant physiquement, et l'autre il est en train de me dire au fait, ça te dirait d'apprendre un petit continuer tes études? Si tu veux, on a un contrat par intermittence pour aller faire un petit CAP plomberie, ça se passerait super bien pour toi. Vendeur de vaisseaux de... Oh, quoi? Salutations, être humain. Vous trouverez de nombreux vaisseaux excellents en vente ici. Où ça? À peine utilisés. Où ça? Pourquoi je peux pas les acheter? Non, je les veux. Je peux pas les acheter. Je suis trop triste. Oui. Vous avez déjà mangé des lamen? C'est un plat typique de la Terre. Oh putain, c'est trop bon ça. C'est trop bon. D'accord. Non, non, mais oui, on s'occupera de tout ça plus tard. Cette paria est une voleuse. Je veux qu'elle soit arrêtée. Bon, qu'est-ce qui se passe encore avec les... Je passais par là, c'est tout. Bon, voyons. Excusez-moi, j'essaie de prendre une déclaration. Il n'y a rien à déclarer. Elle a volé ma note de crédit. Arrêtez-la! C'est faux. Tout ça, c'est parce que je suis carienne. Bon, vous allez vous arrêter et prendre une grande bouffée d'air. Vous vous moquez de moi, être humain. Ce n'est pas parce que mon clan a besoin de... Pardon, monsieur, j'ai mal choisi mes mots. Je vais tenter de découvrir ce qui s'est passé. Monsieur, laissez le SSC s'en occuper. Nous allons tout mettre en œuvre... Bah. Tout en œuvre pour résoudre cette affaire et demandons aux civils de ne pas s'en mêler. Si vous trouvez la note, avisez-en l'un de nos officiers. Vous dites avoir été accusé à tort. J'allais chez le vendeur de vaisseaux d'occasion quand il s'est rué sur moi en sortant de la Fondation Sirta. Sans regarder, sans s'excuser, rien. Une minute plus tard, il revient avec le SSC et il m'accuse d'avoir volé sa note de malheur. Vous vous êtes rentré dedans devant la Fondation Sirta. Peut-être que la note est tombée de sa poche dans la boutique. Oui, peut-être. Tout ce que je sais, c'est que je ne l'ai pas volée. Vous allez souvent chez le vendeur de vaisseaux d'occasion? Oui, il y a plein de beaux modèles. J'aimerais bien en acheter un et le rapporter à la flotte, mais... Il faut être riche pour avoir son propre vaisseau. Voir les choses en grand, c'est bien beau, mais il faudrait peut-être viser plus bas. Eh oui. Oui, je sais. J'aimerais bien admirer tout ça, c'est tout. Rêver que je rentre aux commandes d'un engin comme ça. Voir la fierté sur le visage de mes parents. Ah, la pauvre. Elle me brise le cœur. Je vais voir tout ça, je vais m'en occuper. Pardon. Au pire, je fous ce volus par la fenêtre. Mais c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes, Goltor. J'en ai rien à foutre. Moi, c'est comme ça que je les règle. Bon, toi. Il y a un volus dehors qui a perdu sa note de crédit. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Je ne me rappelle pas avoir reçu l'un de mon clan dans mon showroom. Ah ah! Il n'y a eu que cet être nomade qui mettait encore ses doigts sur les brochures. Comment ça? Il dit que t'es pas venu là, petit enfoiré. Je vais m'en servir de ballon de foot, hein. Je te jure que je vais m'en servir de ballon de foot. Circulez, je vous prie. Vous dites qu'elle a volé votre note de crédit. C'est forcé. Quand je suis sorti de la boutique de la Fondation Sirta, elle m'a percuté. Vous êtes sûr de ne pas avoir laissé la note à la Fondation Sirta? Évidemment. Vous croyez que je serais assez idiot pour faire ça? D'ailleurs, je n'y ai rien acheté. La note est restée dans ma poche. Quel est le rapport entre vous percuter et voler votre note de crédit? C'est comme ça que les pickpockets opèrent. Ils vous rentrent dedans et ils en profitent pour vous faire les poches. Il faut toujours les avoir à l'œil. C'est paria. Des voleurs. Ah mais tu vas pas commencer à être raciste en plus, non? Pardon. Faites attention à vous. C'est dur d'avoir de la viande fraîche ici. Attends, parce qu'il dit qu'il est sorti de là, mais personne n'est... Attends, ils se sont percutés ici. Mais, il est sorti de Sirta Foundation. Donc on va aller là-bas. On va aller à Sirta Foundation, on va voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Peut-être d'autres informations. Quoi? J'ai cru voir les souvenirs de... Ah oui, d'accord, c'est la publicité, ok. Parce qu'il y a des textes des fois qui s'affichent en mode qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Marab. Bienvenue chez Saronis Applications. Je peux vous proposer... Oh, Shepard. Ah. Vous, non, mais moi, oui. Même un Anaricénil se rappellerait l'humain qui a repoussé les guettes. Je et tout le monde. On me le dit souvent. Je vous en prie, jetez un œil à ma boutique. C'est un honneur de vous accueillir. Petite remise. Vous savez, je suis au milieu d'une mission très importante. Allez, s'il te plaît. Venant du sauveur de la Citadelle, je n'en doute pas. Le problème, ce sont ces bureaucrates qui refusent de me transmettre les données astrographiques à jour. Comment vous voulez que je sauve la galaxie avec des cartes de 2183? 2183? À ce tarif-là, autant naviguer au pifomètre, ce sera pareil. Tout à fait. C'est pour ça qu'il me faut un fournisseur fiable en mesure de me vendre des mises à jour au prix de gros. Au prix de gros? Sans problème, Shepard. Yes! Il est trop bien! Bon, je parle pragmatisme, hein, mais comme je dis toujours, j'essaye toujours d'être côté pragmatique le plus possible. Parce que voilà, ça fait plaisir de pouvoir tester autre chose. Alors, 75 000. Et 75... non mais... après réduction, s'il vous plaît. Commando bouclier, barrière et armure, plus 1%. Allez, allez. Oh non, putain, mais 75 000, merde. Vous êtes sérieux, quoi? 75 000, putain. Bon alors, Michael, toi. On devrait peut-être prendre l'immunostimulant, non? Il paraît que ça protège contre les bactéries aliens. Choisis ce que tu veux, Rebecca. C'est pour le petit Jake. Oui, mais attends. L'immunostimulant peut perturber la croissance musculaire dans les environnements à forte gravité. Et si ça lui causait du tort? Eh oui, il faut faire attention à toutes les modifications génétiques. Bonjour, madame. Bonjour, citoyen. Bienvenue à la Fondation Sirta, filiale de Zakera. Petite ristourne. Entre ce secteur et le Présidium, il y a un fossé. Les technologies de pointe, ça doit pas trop se vendre par ici. Notre fondation est à but non lucratif. Un pourcentage de nos recettes est consacré à la recherche contre les maladies génétiques. Je vais lui demander de baisser ses prix alors que... Noble but. Mais peut-être que si vous réduisiez un peu les tarifs, vous feriez plus de ventes, donc plus de recettes. Eh ouais. Je ne peux pas prendre ce genre de décision sans l'accord du directeur régional. Même pas pour un client très spécial au compte bien approvisionné? Quelqu'un comme le commandant Shepard, héros de la Citadelle? Ne pas féminiser, quoi? C'est vous, Shepard? Je ne savais même pas. Vous devez vous blesser fréquemment durant vos missions. Je peux vous faire la remise dont bénéficient les employés si vous me faites un achat important. Bon, d'accord. Voilà qui aurait le don de m'encourager. Je vous en prie, consultez notre catalogue. Par contre, pourquoi il y avait marqué ne pas féminiser? J'étais dans le texte, c'était un peu bizarre. Capacité au midgel augmentée de 3. Bon, je le prends, ça c'est beaucoup trop fort ça. Je vais prendre ça. Tu dis jamais. Alors, augmente la santé de 10%, 6666. Allez, boum, je l'achète. 6666, c'est pas beaucoup quand même, faut pas déconner. Ok. Pardon, en fait, c'est vrai que j'ai oublié parce que je suis venu pour faire les emplettes, mais. Bonjour, citoyen. Ouais. Bienvenue à la Fondation. La note de crédit de Cortoun. Un volus s'est passé il y a pas longtemps. Est-ce qu'il a fait tomber une note de crédit? Pas à ma connaissance. Il n'a rien acheté. Si tout se fait par catalogue, à quoi vous servez? Au service après-vente, remboursement, échange et tarifs de groupe. D'autre part, il est prouvé que la présence d'un agent de la marque entraîne un accroissement des ventes. Cela dit, je ne sais pas pourquoi une société humaine embauche exclusivement des vendeuses à Sari. Moi je sais pourquoi. Mais bon, on va faire genre, on sait pas. Bon bah salut. Merci de votre aide. Revenez vite. Donc, elle n'est pas tombée. Enfin, elle n'a rien acheté. C'est mon bébé. C'est tout ce qui me reste de Jacob. Ah. Bonjour, c'est pour un échange. Je viens pour le convertisseur. Donc là, on va où là? Si on va par là, on va à l'entrepôt. Allons voir cet entrepôt. Vous n'avez pas l'air très net, vous tous là, non? Il n'y a rien dans cet entrepôt. Donc la note n'est pas tombée. Et il n'a pas été au magasin de petits vaisseaux. Vous savez comment c'est. Circulez, je vous prie. Vous savez qui dit la vérité? Mon Omnitech indique que la Carienne n'a pas de note de crédit sur elle. Mais elle a pu la planquer pour la récupérer plus tard. Vous savez comment sont les Cariens. Oh là là. Une SDF. Je vais l'amener au poste et on verra ce que Bellet veut en faire. Vous dites qu'elle a volé votre note de crédit. C'est forcé. Quand je suis sorti de la boutique de la Fondation Sirta, elle m'a perdu. Vous êtes sûr de ne pas avoir les... D'ailleurs... Je n'y ai rien acheté. Vous dites avoir été... Je vérifie si j'ai pas oublié un truc par là. Le SSC et il m'accuse d'avoir volé sa note. Pardon. Faites attention à vous. Oh merde alors. Toi tu sais rien toi? Non, okay. Il me propose la bière, on s'en fout. Dites que vous n'avez pas pris sa note de crédit? Non, je suis passé devant lui et il s'est mis à me crier dessus, voilà tout. C'est bizarre. Bon, Avina, t'as vu quelque chose? Oh non! La Citadelle n'avait pas eu le plaisir de votre visite depuis 2 ans, 3 mois et 17 jours. Ouais, enfin le plaisir... du secteur Zakera propose un ça y est, elle commence à me gonfler déjà. Ta gueule! C'est tout pour l'instant. Voilà, ça suffit. Ouais, non, mais... Ta gueule. Merde alors. Donc il est sorti de là. Je te fais confiance, Michael. Qu'est-ce que tu choisirais, toi? Bonjour. T'as rien à me dire de plus, toi? Bienvenue. Un volus s'est passé il y a pas ma connaissance. Merci de votre aide. Revenez vite, Shepard. C'est chiant, ça. C'est pas qui dit la vérité, du coup. J'étais sur le marché des secteurs. Je viens juste de lui parler, bon sang. C'est lui qui m'envoie. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une facture ? Le marché des secteurs. Qu'est-ce que vous venez faire dans un entrepôt de Zakera dans ce cas? Il m'a dit qu'il était en rupture de stock, mais que vous en auriez ici. Il a jamais parlé d'une facture. Moi, sans facture, je ne peux rien faire pour vous. Oh. Marché des secteurs. Vous dites que vous n'avez pas pris sa note de crédit? Bon, on a tout visité ici, on est d'accord. Ça c'est bon, on n'a pas visité de l'autre côté par contre. Salon de l'étoile noire, Parce que qu'est-ce que nous dit, le journal de quête? D'accord. Ah non, il faut qu'on trouve la note en fait. Trouvez la note, démerdez-vous. Oh, c'est chiant ça, ça m'énerve de pas savoir. On est au niveau 26. On va aller voir de l'autre côté, si on n'a pas des trucs à acheter. Et pareil, il y a quelqu'un d'autre qui l'a récupéré en passant. De toute façon, apparemment, c'est pas elle. Lui, il aurait vraiment perdu, d'après ce que je comprends. On va voir ça. On va voir. On va mener l'enquête, hein. C'est pas méchant. Et le perdant sera balancé par les écoutilles. Sauf si c'est la carrière, évidemment. Avertissement. C'est quoi? Avec les lacs du Présidium, ça couille de poissons. Bien sûr qu'il y a des poissons. Posez des questions sur le poisson. Allez trouver quelqu'un sur le marché de Zakera qui connaît les lacs du... Mais pourquoi ça? Qu'est-ce qu'on a à branler de savoir si c'est des poissons dans le lac? Mais qu'est-ce que... C'est quoi ces quêtes? Putain mais sérieusement. Putain, hier soir j'ai mangé des flageolets, j'ai eu des gaz toute la nuit. Nouvelle quête, tadunk, vérifier si la compagnie qui vend les flageolets cherche pas à tuer les gens. C'est en mode mais what? Je tombe sur des discussions à la con. Alors... Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Une remise, dépêche-toi, sac à merde. Sur les bords, vous savez. Ouais. Et qu'est-ce que ça peut chasser un humain? Commence pas. Les guettes, les pirates, les mercenaires. Quoi? Où ça? Dans les systèmes Terminus. J'y retourne bientôt, j'ai besoin de sponsors. Ceux qui chassent ce genre de gibier, je les respecte. Pas de problème, je vous fais une remise. Ah bon, ça va. Je croyais qu'il commençait à me parler en mode condescendant parce que j'étais un humain, parce que des fois, hein, voilà, entre les races, hein, ça se porte pas trop. Pas de quoi. Rapportez-moi une tête de guette, j'en ferai une lampe de chevet. Par contre, va falloir te faire soigner, hein. Je te le dis quand même en passant. Alors, fusil de près 50 000 pistolet 50 000, mitraillette 50 000, réserve de munitions, ah c'est bon ça, 10% de munitions, c'est pas beaucoup mais c'est toujours ça, et c'est pas cher surtout, santé plus 5%, bon ça c'est de l'armure, hein. c'est des armures, va falloir qu'on achète un truc, hein. Pistolet lourd, mitraillette, fusil de précision, on va voir, hein. Mais ça coûte tellement terriblement cher, c'est abusé, et faudra qu'on change notre armure aussi, alors je sais hein, qu'on a dépassé la limite entre guillemets de l'épisode, mais Osef, on va finir de fouiller un petit peu tout ça et d'acheter quelques petits trucs. Après je pense par contre qu'on élucidera cette énigme du vol dans le prochain épisode, ça par contre... Vous auriez quelques instants à m'accorder, Shepard ? Ah c'est la... comment ça s'appelle ? La reportrice. Bonjour. Ouais. Ça sent que je t'aime pas? Je vous ai interviewé il y a 2 ans lorsqu'on vous a nommé Spectre. Ah oui, c'est vrai. Le plaidoyer était plus que convaincant. Ah, t'as aimé, hein? Vous auriez une minute? Je vais être en mode je te connais. Désolé, je m'en souviens pas. Et je m'en fous. Les gens se souviennent de vous. La violence. Vous revoilà sous les projets. Tout ce que je veux, c'est donner à votre histoire tout l'éclairage qu'elle mérite. Bon. Ah mais tu me poses même pas la question, tu es en mode tu filmes sans que je te... Bon, mais vas-y, hein. D'après nos sources, vous étiez en première ligne lors de la bataille de la Citadelle. Il semble que vos décisions ont lourdement pesé sur le cours des événements. Si nos informations sont justes, vous auriez exigé de l'amiral Hackett qu'il appuie le Destiny Ascension. Non mais... Une manœuvre... J'en ai plus qu'assez de vos insinuations douteuses. C'est ce que j'aurais dû faire à notre premier rencontre. De pute. Mais oui, mais oui. Ouais, c'est ça, ouais. Au moins la patate, tu l'as bouffée. Ça t'apprendra. Parfait. Ouais. Ah putain, mais ça c'est la vérité, c'est le cancer les jours d'eau, c'est le cancer ces trucs là. Les gens qui cherchent toujours à mettre des informations putaclic, hein, tout simplement pour dire « Regardez-moi ça, il a tué des gens !» au lieu de parler de tous ceux que j'ai sauvés, tu sais. Jardinier du Présidium. Je peux faire quelque chose pour vous? Ah tiens, tu sais qu'il y a du poisson toi? J'ai remarqué que vous assuriez l'entretien du Présidium. Vous savez s'il y a des poissons dans les lacs? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Je sais pas pourquoi je pose cette question, mais... À peine moins souvent que où sont les toilettes. Ce sont des lacs artificiels. Les réserves en eau du Présidium, indépendamment des cuves de stockage dans les secteurs. À ma connaissance, le seul endroit de la station où on peut trouver des poissons vivants, c'est la boutique de cadeaux de Deleia Sanassi. Boutique de cadeaux? Où c'est cette boutique de cadeaux? Dans les halles, juste sous le bar. Deleia vend des aquariums. C'est un signe extérieur de richesse, un poisson. On ne peut pas avoir d'animal domestique plus gros que ça. D'accord, ben merci. Merci de votre aide. Il n'y a pas de quoi. Bon, on s'en fout un peu, mais pourquoi pas. Bon, en tout cas, c'est cool. La bonne patate, toi, tu sais des choses? Non, tu veux me donner à boire? T'as les tuyaux? Vous avez entendu des bruits de comptoir intéressants? Moi, je sers à boire, si vous voulez être au courant de l'actu. Mais pourquoi les humains me posent toujours? Ouais, parce qu'on est habitué, hein, c'est un peu le cliché du barman. Si vous changez d'avis, faites-le moi savoir. Donc c'est l'Étoile Noire, c'est un club de danse, ok, tout le monde se détend, ça se fait plaisir, Galaxy on s'en fout, bon mais partons d'ici alors. Partons d'ici, bon je suis content, on a mis une bonne droite à, à cette journaliste hein, qui est juste là pour faire plus de la sensation qu'autre chose et nous emmerder. Au moins ça c'est fait, bonne chose de faite, je suis content. Et maintenant donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cet épisode donc. Dans le prochain on va continuer à explorer un peu la citadelle. On va voir les autres étages. Et voir un petit peu se renseigner pour tout ce qu'il y a. Ah attends mais c'est par là qu'il y a le... Les vendeurs de souvenirs il a dit sous le bar. On va juste aller voir ça. Vendeurs de souvenirs de poisson là tant qu'on est là et donc oui on continuera à voir ça, on essaiera d'élucider ce mystère de vol là, qui c'est qui a volé ça ou qui a pas volé ou qui a fait tomber. Ah ben oui c'est là en fait, putain mais pourquoi je l'avais pas vu? Tu as vu? Bonjour, bienvenue à la citadelle. L'accusé de discrimination. Franchement pour des attrape-couillons touristiques c'est plutôt pas donné. Je suis désolée d'entendre ça. Il y a de nombreuses boutiques à la citadelle. Vous en trouverez sans doute une autre plus dans vos moyens. Vous êtes en train de dire que je suis pauvre? Je n'ai peut-être pas vos ressources, mais ça ne vous donne pas le droit de me cracher dessus. Hein? Ah non, ce n'est pas... Ah, écoutez ça. Cette boutique a des préjugés... De grâce, calmez-vous. En guise d'excuse, je vous fais la remise réservée aux fonctionnaires. Ça vous convient? Bon. Putain, on se croirait sur Twitter. Les gens qui, pour faire passer un message, balancent des trucs qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Non, mais moi, franchement, je suis content que la France ait gagné. Ouais, c'est ça, hein. Et moi, pendant ce temps, ma femme adore, hein, et elle se lève à 2 h du matin, elle peut pas aller travailler, puis il y a des gens des fous furieux sur la route qui ont failli m'écraser, hein, bande de terroristes fous furieux. Toi, t'es en mode, mais non, mais j'ai pas dit ça. Ah oui, tu cautionnes, hein, hein. Mais non, pas du tout. Ah, putain. Hamster de l'hamster. 7000. C'est cadeau. On achète des poissons. Oh yes, des modèles réduits. Mais Goltor tente de claquer du pognon pour ça. Chut. Je ne claque pas du pognon, j'investis. Bon voilà, bon ça c'est fait. Hein qu'est-ce qu'on a d'autre ici? J'ai dit qu'on devait arrêter, hein, mais je suis en train de continuer. Ah oui, non, mais après c'est la sortie là. On a le capitaine qui est ici. Bon. Cette fois-ci c'est la bonne, on s'arrête vraiment pour cet épisode après avoir voilà, fait un mini scandale et avoir mis une droite, patate de forain, c'est comme ça que je l'appelais l'épisode, patate de forain. Sur ce, en tout cas je vous fais de gros bisous, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dans le prochain épisode, portez-vous bien évidemment, et on ira voir notre petit hamster dans notre cabine du capitaine, et on donnera à manger nos petits poissons, voilà. Écoutez, on peut sauver l'espace et aimer les animaux, ça n'empêche pas, non? Bon, voilà. Allez, sur ce... Je m'en vais, à plus. Ciao, ciao les amigos.